Voilà, bon. Je suis encore à l'envers dans ma tête, mais it's gonna be ok. Bon, attendez, j'ai vu Loulou qui m'a envoyé un message. Parce qu'elle est malade, donc du coup, faut que je reviens. Oui. Apparemment, il y a des gens qui ont été le balancer qui étaient malades. Bon, alors, cette map, là, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, la miniature... Oh, la gueule. Ah, c'est tout comme je l'avais vu hein, sur la miniature. Map Troll Cup. Ah, il est sérieux. Je crois que j'ai raté des CP, je suis pas sûr. Il fallait y penser quand même hein, comme concept entre le club, j'avoue que c'est flambant. Bada Hunsa. Je sais quoi, je suis même pas étonné. Je suis même pas étonné. Ah putain, mais non quoi. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de GPS du coup. Oh merde. Oh les putes quoi, mais quel enfer. Il a dû se casser le cul à Hunt en plus parce que c'est pas simple hein, de prévoir les rebonds et tout. Ouf. Je me demande comment il l'a fait. T'as le temps de map. Regardez le replay WR quand même, c'est propre. Oh la flemme. Déjà j'ai battu Fire, je suis content toi, déjà. Si tu peux me dire ton temps déjà en vrai c'est pas mal. Tu l'as fait en combien de temps? En 40 secondes? Non, ça c'est Akiro. Bon bah 39-3. En vrai, je suis curieux. Ça me fait du chier. Ah non, c'est bon. Nice, il s'est ouvert au bon endroit. Bon, je lis pas le chat, mais j'attends juste que ça charge. Hop, oui. Modifie. Non, fais-moi un peu que je rigole. Bon, jusque là ça va en vrai. Ok voilà, ah, tu t'es vraiment... Ouh. Ah t'as déjà voir le seum. Tu peux te reprendre encore une seconde là je pense, non? Oui là, largement. Bon la fin elle est insane là. T'as essayé à choper de la gear et tout en vrai t'as été chaud. Mais... Bitmap moyen non? Il a sûrement moins un que toi. Ah bon? Il y a 38 large joueurs, on est d'accord, hein, tu l'as juste joué vite fait en tapiquant quoi. Je te disais, parce que en vrai, j'ai vraiment cru que tu l'avais un pour le coup. Ah, il y a une deuxième map de Morpheus. Oh, ok, j'ai cru que t'en avais déjà une en construction, mais ok, ok, bah vas-y, let's go. Hein. À gauche ou à droite, j'ai pas réfléchi, j'étais où? À droite. À gauche, pardon. Alors, je préférais le star de l'ancienne carte. Donc, je viens de faire une montée, digne d'un dieu. Il y a un moment, faut le dire. Je pense que même il s'habitue en a rougi un petit peu là. Légèrement, hein, légèrement.
Je suis pas rentré dans le boudin non plus, mais c'était sympa, quoi. Et salut à toi, dis-le. Ça faisait longtemps, non? Comment ça va? Ouais, ça a changé depuis. Hein. Maintenant, la qualité d'air, vraiment, elle est clean. Bon, sauf quand j'ai Skazen qui m'envoie sa première map ever, mais en vrai, sinon... Je me permets de taunt, c'est un pote. Ah. Je vois des montées de Kivik, donc ça va. Quel bâtard. Quoi? J'étais dedans. Bah non, j'étais dedans. Je venais de rentrer dans la map qui m'en sort un stand. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, attends, du coup, il faut voir le GPS. Non, c'est bon. C'est... J'ai problème. J'ai pas compris la fin. Parce que là, en vrai, tu vois, déjà, pour commencer, t'as une très longue ligne droite et en plus, tu l'enchaînes sur une montée. En termes de start, c'est pas fou. Donc là, petit jump, contrôlé, très bonne réception. On mixe ma pique. Oh! Ok, ok, intéressant, intéressant. C'est pas fou, mapiquement parlant, mais là, par contre, tu mets un reverse, mauvais, parce que du coup, en plus, le wallet, normalement, faut pas le faire, et mais là, bon, j'avoue qu'il manque, ça va beaucoup plus rapide. Bon, là, l'off-road passe bien, le virage ici, il est clean. Là, la réception, elle est encore gérée. T'arrives bien à gérer les airtime et les drops, mais t'as vraiment du mal à... Là, le transfert est bon. Après, bon, t'as beaucoup de speed, donc du coup, tu vois, du tard, t'as beaucoup de speed, au bout d'un moment, c'est redondant. Quand tu mets pas de mécanique, ah, je me disais aussi. D'accord. Bon, ok. Bon, en vrai, on sent que tu commences à toucher à l'éditeur Dirt, mais tu vois, il y a des passages à vide. C'est pas fou, c'est pas fou. Des pires des voids, j'espère. Bah, demande-lui. Ouh. Ouais. Genre, par exemple, tu vois, à la fin, tout ça, ça passe bien. Et là, t'es en mode, bah là, t'es struggle parce que tu me fais un long truc pour choper de la speed avec, bah en gros, il se passe rien, tu vois. Genre là, tu vas tout droit. Tu vas tout droit. C'est pas ouf. Après, bon, je te parle par rapport à ma compétitive sur ma chill, en vrai, c'est pas nickel. Juste, vraiment, ton start et cette partie-là. L'off-road ultra long plus grande ligne droite et reverse. Ça, c'est à jeter. Le reste, en vrai, ça va. Et le start aussi. Sinon, le reste, en vrai, c'est cool. Hein. Puis j'ai beaucoup aimé le tricks là. En vrai, c'est pas fou en termes de mix mapping, mais le trick c'est sympa. Peut-être avec le fini GPS, bah c'est pas les mêmes. Le fini GPS il est là. Le finish il est là. Donc ça va, t'inquiète, t'es safe. T'es safe, t'es safe. Oh, Polan! Ouh, je suis en train de voir. Ouh! Oh, prépare-toi mentalement, c'est mix, ça va être dur! Ça va être dur! Reform, pense, reform! Allez, c'est parti! C'est parti! Oh mon dieu! Allez, we found le pollen. Probable. 100% sur une première map. Mais j'ai foi. J'y crois. Ou les rings mix mappés. C'est vert. Oh, en vrai, sympa. Ça moins. Bon, ouais, non, ça moins, mais... Non, ça non plus. Ouais, non. Oh non. Oh no. Ouais, bah comme d'habitude, hein, c'est la première map, en vrai, je suis pas étonné, hein. Non, plus si t'as pas... Connard. Merci beaucoup, Bait, pour le reste le 5e mois, bro, comment ça va? Oula. Ah ouais. Bon, j'ai eu tous les CP, première bonne nouvelle. Ça m'a fait manquer des maps comme ça. Ah bon? Ah ouais? Et pourtant, et on en roule une fois. Enfin, pas une fois parce que pas de GPS, pas ici, attends. Bon. Bah, c'est-à-dire que du coup. Bon.
on se comprend pour en quoi la map elle est pas foufou. On va essayer de prendre les bonnes idées, d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est une très bonne idée. Mais que ça, c'en est pas une bonne. Je sais pas ce que ça fout là, vraiment. Bon, là, il y a des grasslands. En vrai, si tu prends en grasslands, tu dis ok. Par contre, le fait de mettre des bankings, on voit à travers, c'est pas fou, quoi. Il y a des blocs hein, qui permettent de passer de l'herbe au dirt en restant en dirt, hein. Tu sais, le problème, t'inquiète. Tu pourras découvrir de magnifiques blocs dans l'éditeur une fois que tu auras un peu plus de connaissances de celui-ci, tout ça. Coucou Azurl, bienvenue à toi dans l'aristocratie, cher ami. Bienvenue à toi, profite de ton panel des modes, profite de ton aristocrat sur Discord et bien sûr profite de ton skin sur Trackmania, cher ami. Merci beaucoup, Vape, pour ce seul gift. Merci beaucoup. T'as glissé. Et du coup, t'es en top donateur de sub, parce que ça a été réalisé, parce que nous sommes en décembre. Bien joué à toi. Ouais, il y a un poteau mixmappé. Ah, il y a un poteau mixmappé. Je vais même pas faire attention. Moi, tout est mixmappé. Il est mignon, hein, ce passage, quoi. En vrai, bon, le jump est sexy, la réception l'est moins, et le passage après, il est affreux. On a quand même un bon combo. Hein. Mais on a un grass life. Donc, le fun. On a le grass life, le fun. Bien ce qui est. Hey, tu peux utiliser le sexy club maintenant, Azur. Ici, même pas. Azur. Azur. Ouais, ouais, donc voilà. Bon, je pense qu'on peut passer les détails majoritaires. Il y avait quand même un jump ultra sexy sur la carte qui nécessitait de la recherche, en vrai, donc let's go. Le reste, par contre, vas-y mollo, hein, sur les lignes droites, les blocs interdits, les boosts en dehors, les loopings mixmappés dans des rings. Ouais, ralentis un petit peu et essaye d'utiliser moins de mixmapping et ça se passera mieux, quoi. Alors, rage au volant, la map a l'air sympa. On peut le voir, hein. Déjà en première transition, je sens qu'on peut déjà avoir passé un très bon moment sur cette carte. C'est sympa, en plus c'est tout joli, tout joliment décoré. Alors fais-moi un peu ce petit trou, obviously, là encore devant, ce qu'on l'a vu aussi. En vrai, c'est une ligne droite, hein, pour se mettre d'accord, mais l'idée est sympa. Parce qu'en vrai, du moment que t'as la speed pour faire le premier jump, je pense que t'as la speed pour faire le deuxième, donc le deuxième sert à rien. Mais la transition est sympa, il y a moyen de triquer pour gagner un peu de temps, donc en vrai, let's go. Bon, faut que j'arrive à lire des panneaux, moi, un jour, par contre, ce serait bien. Alors, fais voir mon nom. Ok. Ok. Oula. Ok. Original. Putain, c'est bien. En vrai, c'est des espèces de grands axes. Mais il y a toujours un petit trick à faire pour gagner du temps ou quoi. Du coup, tu te fais pas chier, je trouve. Puis elle a un bon flow. Et surtout, elle a une régularité au niveau du build qui est sympa. Moi, j'aime bien. Oula. J'ai voulu aller à droite. Pardon. Allez. Ah là. Ok. D'accord, j'ai compris. En gros, je suis censé jump. Ah, attends. Je suis censé jump ou juste. Ah. Peut-être ça en fait. Non. Full speed, ça passe jamais. Je sais pas, faut voir. On va voir avec le GPS. Étriqué. Oh, bien vu, Ra. Oh, Ra qui. Oh! Hein, poule une GPS. Enfin, GPS une poule plutôt. Elle est où? Ah. Enfin, j'imagine. Nice. Oh, j'ai trouvé. Une map centrique, map étriquée. J'aime beaucoup. Ah, j'ai un cheveu de lui. Ah oui, c'est vrai que comme ça, ça a l'air beaucoup plus smooth, accessoirement parlant. J'aime bien.
J'aime beaucoup même. Bah, typiquement, vous voyez, ça peut être une map de l'ANC 4. Une map simple. Des tricks pour les pros. Un pathfinding évident. Et des resets de speed. En vrai, on est bon. Hein. Et du wild style, bien sûr. Oh, j'aime bien. Attends, et du coup, le GPS. Ah, c'est bien ce que je pense. Même le GPS, il est simple d'accès. En vrai, cool, hein. Oui, je suis d'accord avec ta technique. En vrai, vous en pensez quoi de ce genre de map? Parce que je pense que c'est ce que je vais essayer d'avoir pour les ANC. Même des maps sans forcément avoir des Alienware et tout, juste des maps assez simples pour tout le monde. Et après, à côté, faire une compétition élitiste en full wild. Quoi. Autre que la TMG. T'en as pas des comme ça? Bah écoute, envoie-moi-en quelques-unes. Et garde les meilleurs pour les ANC et peut-être que je pourrais sélectionner une ou deux de tes cartes en vrai. Y'a vraiment moyen. Y'a vraiment moyen. Exactement. Non, l'ANC 4 n'a pas encore été annoncé, mais... En vrai... J'ai un souci, c'est parce que comme j'ai pas été à la PGW ou quoi, pour trouver des fonds, ça va être compliqué. Mais bon, après, je peux la faire sans argent. Hein. Mais du coup, les pros seront moins intéressés. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas encore, mais pas du tout. Ah, d'accord. Ah, c'est attends, c'est là, il fallait aller? Oh. Ah, je suis bloqué en cam 3. Okay. Pourquoi il y a le... What? Pourquoi il y a un panneau HP? J'ai rêvé. HP ou G-Series, what the fuck? Attends, qu'est-ce que c'est? Il sort d'où ce panneau? Ah. Bon, non, les maps n'ont pas été préélectionnées, Charles. Je te l'assure. Mais j'espère qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est présélectionné parce que du coup j'ai moins de pâté et plus de maps incroyables comme celle-ci. Salut Machi! Putain, bientôt 2 ans pour toi aussi. C'est ton combien de mois là? 22, 23? 23ème. Oh là là, let's go, merci beaucoup mec, comment ça? Ah, c'est les panneaux de base sur le TTP ESL. Ah ouais? Je savais pas. I never lie. Ok, ok. Là, j'aime beaucoup la map, mais j'ai l'impression d'être assisté dessus. Je sais pas comment expliquer. Pourquoi j'ai la sensation d'être assisté sur cette map? Je sais pas. En fait, généralement, genre, tu sais, on doit se démarrer pour sauter d'une plateforme à l'autre, un minimum, pour essayer de triquer, choper des artems, etc. Mais là, en gros, ici, genre, c'est comme si le map nous donnait tout à disposition instant. Je sais pas si je m'exprime mieux. Enfin, je pense que c'est juste parce que je cherche absolument pas la ouais, en fait. Alors dès que je me demande où il faut que j'aille, il y a un bloc qui me dit tu dois aller là. C'est trop fun. Ça, c'est genre un pathfinding avec direction assistée quoi. Genre j'ai l'impression de déjà connaître la map en la roulant pour la première fois, c'est assez drôle.
Même si je galère quand même à évoluer dessus. Hein. Mec. Par contre, tu as bien joué. La majorité des gens auraient pu mettre un trou à ce passage, à ce moment-là. Mais tu vois, mettre un trou ne servait à rien. Tu l'as bien compris, je t'en remercie. Oh, elle est cool. En quoi c'est pas bien? De quoi? S'il y avait eu un trou, Divi? Et c'est là toi avec Aemon en fait. J'espère que tu vas bien. Ah, c'était Stranger du passage. Non, ça me connaît clairement. Mais non, mais j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose, au contraire. Juste que ça me paraît bizarre. Là, par exemple, je la jouerais bien. Celle-là va aller dans le best-of. On va la mettre dans le best-of cette map, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Comme ça, on pourra la rejouer plus tard. Escape to the sky. Ok. Pour le pauvre paysan, c'est bon, mec, boo. Non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Ce que je voulais ouvrir, c'était le bloc-notes. Je veux fumer de la brutalité, bouge toute la sécu en fumant par terre. Hop, first dirt, c'est parti. C'est d'avant, tu la mets pas aussi? C'est quoi celle d'avant? Je me souviens plus. Dans la RPG, je l'ai pas encore joué à Dripil. Mais je pense que je la mettrai. Ah oui, celle de Rage Volant. Oui, oui. J'avoue. Non, mais en vrai, il y en a qu'il faut que je mette, mais j'y ai pas réfléchi. Alors, première map Dirt ici. Voyons voir. J'ai tout de ma gueule. Comment ça va, il se fout pas de ma gueule. C'est mon cerveau qui explose, hein, faut pas faire attention. Qu'est-ce qui a fait cette merde? Denvel, mon dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Attends. J'ai cru voir un River Stern. Ah, ou 10, parce qu'il faut savoir. Voilà. Bon. Alors, c'était bien de vouloir mapper en dirt, mais vous n'êtes pas obligé de mapper en dirt si vous n'avez pas envie de jouer en dirt, les gars, ok? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en gros, déjà, ça me fait marrer parce que ce passage-là, en vrai, je t'ai demandé si tu te foutais ma gueule parce que j'avais l'impression de rouler la map que Tech m'a envoyé la dernière fois. C'est exactement quasi le même start, genre, enfin bref. Donc, bon, ça c'est ok. Là, tu vois déjà River Stern. Bon, après, il passe à peu près bien, mais c'est pas ouf. Et à partir de là, la map, gros, elle part en couille. Genre là, déjà, ça, mais. Ça, tu vois, à mon avis, c'est parce que. Le mec qui l'a mappé, il s'est pas dit qu'il fallait monter dans le banking, il s'est dit juste qu'il fallait faire ça, tu vois. Parce que si tu passes comme ça, en vrai, tu dis ça va, tu vois, bon, ça peut être intéressant, mais quand t'as les bonnes trajectoires, en vrai, on va parler de ce drop.
quand t'as pas une bonne trajectoire, tu peux dire que c'est ok, mais après tu te rends compte que trop de speed ici, bon les erreurs de vitesse on connaît. Contre là c'est pareil, hein, là les reverse turn mon gars. En gros en dirt faut arrêter de vouloir faire tourner les gens à droite puis à gauche. Si vous savez pas quoi faire mais continuez de tourner dans le même sens, on s'en fout, mais tournez pas dans l'autre sens. Et si vous êtes gêné par la map, ben bah, faites un jump, faites des trucs, mais pas que ouais tech. Regarde ce qu'il a fait au début. Il fait son start, il me donne de la speed, on descend, on tourne à droite. Bon là il a monté, toi c'était un simple demi-tour. Là il me fait monter et descendre, donc demi-tour, ou tout chicane, re demi-tour et banking. C'est un peu ce que tu m'as envoyé sur la dernière carte que t'as fait, hein. Je te jure. Bah du coup je skip. Parce que bon là j'avoue que je peux pas en dire grand chose parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Ah mais les reverse turns, c'est pas une bonne idée quand c'est bien exécuté, mais il faut avoir l'habitude de travailler avec des reverse turns et avoir les bonnes trages pour savoir comment se placer et comment mettre le bloc à combien de blocs d'espace du précédent, tu vois. Oh dommage. On va pas dire qu'il manquait un petit bout de route supplémentaire histoire de faire joli. Ça on dira pas. Oups. Et ça va. Oula. Je l'ai déjà joué celle-là. C'est bien parce que je l'ai joué, il y avait exactement les mêmes problèmes, je crois. Mais pourquoi elle est là? Si j'ai déjà joué, qu'est-ce qu'il y a eu un changement? Je m'en souviens plus, c'était tellement temps. Je m'en rappelle parce que j'avais eu exactement le même problème le jour où je découvrais la carte. Je savais pas où aller, j'étais perdu. Ah, j'étais complètement largué, j'avais vraiment zéro compris. J'avais été obligé de regarder GPS pour comprendre où il fallait aller. Et ce qui est bien, c'est que là, donc du coup, il y a toujours le boost de mort. Alors que ça passe 100, hein. Mais... Et c'est toujours aussi close. Et là, c'est la fin, donc il n'y a rien qui a changé. Il se fout de ma gueule. Bon, tant pis. All I do is make up. Peut-être qu'il avait oublié qu'il me l'avait déjà envoyé, je sais pas. When love hurts. It won't work. J'adore cette zig, putain. Trop beaucoup, trop bien. Alors, GPS backwards, c'est moins dans l'info. Là. Oula. Ok. Alors, au start, je peux déjà dire que sur celle-là, on risque de voir des choses cheloues. Accrochez-vous bien, ça va dépoter. Oh, ça, c'est beau, par contre. En hunting, je sais pas, mais... Ça par contre c'est moins beau. Et en tuing je sais. Oula. Dommage. C'est un peu c'est dit qu'il y a moyen aussi. Là ça regarde Rim and Flow ici ou quoi? Attends une seconde, comment on est censé faire cette merde du coup? Oui oui oui. C'est quoi la strat là? Ah d'accord. Que j'avais pas. Ouais, il y a beaucoup de moves ambitieux qui passent extrêmement bien en vrai, je suis vachement étonné. Le start annonçait la couleur, mais à part les 90 chelous là, enfin, j'allais dire la fin c'est pareil. À part les 90 chelous, elle est bien maintenant. Ah, t'as vu, on est d'accord, Infinity. Hein.
Genre là par exemple, tu vois, genre, la chicane est too much. Même si je comprends pourquoi il l'a mise. Ça passe tellement bien en vrai. Oh! Ah, j'avoue qu'il est bien exécuté en vrai. Ah, le tue. Je vais garder la guerre, je suis un monstre. Dommage, il n'y a que ce virage là qui est vraiment chaud. C'est chiant parce qu'il détermine beaucoup sur la carte. C'est vraiment le pire turn. Ah, du coup, pour le respawn, j'ai la chef. Trop de speed dans la montée. Non, en vrai, ça se gère. Je dis pas que c'est facile, mais ça se gère. Par contre, là, je sais pas comment il est. En haut? Ah ouais! Ok, bien vu. Oh, je sais pas où aller. Je croyais que le trou était plus grand que ça. Merci. Alors celui-là, mon pote, il est magnifique. Ah, dommage qu'elle fasse une 30, elle sera jamais prise nulle part, mais qu'est-ce qu'elle est bien! Putain, Grivelin, what the fuck? Friganto. Oh, je vais la jouer encore et encore. J'aime beaucoup cette musique. Oh là là, mais. Oh, elle me donne envie de fou. Elle fait une 10 en 20 en tryhard. Ah ouais? J'avoue, attends, je regarde les GPS. Si on a pas, je te jure que je la tryhard jusqu'à avoir un bon run. Non, en fait, j'ai cru dans le temps hauteur qu'elle faisait plus que ça, c'est pour ça. J'ai pas pris mon temps de référence. Hein. Question sur les trash de banking. Vas-y, arrive là, annonce. Bah en vrai, après, t'es nerfé par des codes préétablis à cause de ta connaissance du dirt, c'est Insanity, tu vois. Moi, en dirt, j'ai du mal à être créatif, alors que dans les oscilles, ça va, tu vois. Ouais, il y a juste, franchement, ce 90-là, il est vraiment destructeur. Mais ça se fait. J'ai trop de speed après le premier. Bon, bah, je vais la rejouer. Je vois pas de quel parking tu me parles. Mais t'es pas sur les triptrages par rapport au mapping ou par rapport à ce que toi tu fais dans les banking? Tu veux que je te dise en regardant ton GPS? Ou tu veux que je te montre quel trage il faut adopter? Les deux? Ok. Bah, je regarde ton GPS encore une fois. Mais la map elle est trop bien. Mec, ta map elle est vraiment trop bien. Bon, la déco est pas ouf par contre, mais le reste est juste trop bien. Pas ces tripods. Ouais, t'es parti trop haut, c'est pour ça que tu trouves que t'as trop de speed. Parce qu'en fait, tu montes trop vite alors que tu montais beaucoup plus tard sur celui-là, parce que sinon tu perds du temps. Sur celui-là, t'es bien. Tu sors pas assez tard. Enfin, tu sors pas assez loin, donc du coup, t'es un peu baisé, t'es un peu nerfé sur la fin, mais sinon, c'est ok. Non, moi, pareil que toi, Luxus. C'est pas la première fois que je vois ça, mais avec un saut en amont, j'avais jamais vu.
merde. Par contre là au niveau de la guerre j'avoue que c'est chaud. Tu vois, en vrai c'est ça la trage qu'il faut que tu prennes. C'est plus dur du coup en sortie mais si tu gères t'auras beaucoup plus de speed. Bah ouais je pense qu'il passe avec la speed mais c'est juste très difficile à proc pour le coup. Et j'avoue qu'en compète ça ce serait infernal comme passage. J'aurais beaucoup de plaintes sur un truc, sur une récupération underground pareil en compète, en vrai. Quasi sûr. Ouais, je pense que en vrai j'aurais stabilisé la trajectoire en mettant un bloc de plus, quand même. Un bloc de road pour récupérer parce que si tu veux vraiment grid avec le tripad et tout, j'avoue que c'est chaud. En vrai ça devient très vite difficile. Salut Jeveris, tu aimes ? Ouais, j'avoue, c'est chaud. Parce qu'en vrai, il faudrait que je décale un peu plus à gauche, donc je sorte un peu plus tôt. Il va falloir que je nique un peu la trash précédente. Par contre, au niveau du rebond, j'avoue que je suis pas sûr. Enfin, je regarde parce que ça vaut le coup d'avoir une info là-dessus. Ah. Je m'en rends pas compte de quand je vais sortir. Moi ça va bien, j'ai pas ici. Ah, oh ouais, je pense que c'est ça qu'il faut prendre comme trajectoire, mais du coup, j'avoue que le boudin te rend la chose pas très facile, quoi, putain. Le boudin te rend la chose pas très facile, en vrai. Ouais, j'avoue qu'avec trop de speed, c'est chaud. Yo piéton, bien quoi. J'avoue qu'avec la speed c'est pas évident. Je sais pas ce que t'en penses Nissa mais... Pour garder la guerre en vrai... Allez mon petit ami. Ah non, pas du tout. Attends, si c'est ça? Ouais. Falling the cops. Je sais pas, hein. En vrai, full grid. Là, tu vois, là, j'ai perdu en speed, donc du coup, je vais passer, mais en full grid, gros. À mon avis, ça passe pas. Je pense qu'il faudrait quand même prendre plus large et pop fin et limiter tricod. Sinon je vois pas comment tu passes. Ou alors tu tapes un release au moment où tu passes quoi. Voilà. Bon, typiquement c'est ça, en vrai je pense qu'il faut juste pas passer la vitesse. Ok, j'irai ça. Je dirais pas passer la guerre du coup, donc release deux fois quand t'arrives dans le souterrain. Et à mon avis, tu gagnes. Ça va être chaud par contre de pas la passer en vrai quand t'es en dedans. En amont, ça va quand t'es dedans. Parce que vu que t'es en montée en plus, c'est chaud, tu vois. Merde. Chier. Bref.
Et du coup, ça attaque. Là, tu vises bien la sortie ici. Hop. Matt, après des wallies de l'enfer ici. Oh, celui-là, j'ai du mal par contre. Il est tellement incroyable. Vraiment très original pour le coup. C'est du jamais vu. Tout simplement. Là, j'ai plongé ça, machin, full gauche, hop, sortie. Tac, tac. Et là-bas. Je sais pas trop quoi faire pour bien garder la speed en entrée pour le moment, mais bon, ça je pense que ça viendra avec le temps. En vrai, c'est une map qu'il faut tryhard pour bien apprécier et pour avoir les bonnes lines, mais putain, ce qu'elle est bien quoi. Franchement, GG en Gueblanc. Je te jure. Un gros GG pour toi parce que ta map elle est vraiment cool. Oh, FS New Block. Allez, c'est parti. Plus supporter piéton. Ah, let's go. C'est un start impressionnant. Alors, oula. Y'a pas tes deux maps tu penses? Ah ouais, Giga Attack? Non, moi je sais pas, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Discord. Ah mais... Wait a second! Ah ouais, mais c'est mort parce que c'est du full speed, si je respawn je me rendrai pas compte de ce qui passe, là. Ah, tu dois sauter de la plateforme du haut là, en bas? Ah ouais? Ah ouais, c'est original, putain. D'accord, c'est ça, hein. Ou tu dois sauter directement sur la plaque. Attends. En vrai, il faut que je regarde parce que... Non, ça passe pas. Enfin, tu peux passer, mais tu auras beaucoup trop d'air. Par contre, on passe à interphoto, ça c'est chaud. En vrai, j'aimerais le faire en one shot. La terre est pas rentable. Ça passe vraiment pas en inter. Ah, oh, c'est dur. J'ai l'habitude de sortir en instant là, donc du coup, ça bousille mes repères. Faut que je m'en fasse de nouveau. Bon, j'ai touché mes papiers. Salut Emi Shoka, pardon. Comment vas-tu? Attends. J'essaie de comprendre en vrai. Je suis même pas encore sûr du start. J'espère que ma gueule est encore là parce que. Ah. Bon, c'est sûr. Déjà, tu montes pas dans le bloc de mort du bas là-dessus pour monter. Encore, peut-être que Spock me dirait l'inverse. Ah bah, nice, ma gueule est là. On va pouvoir confirmer mes dires. Ou au contraire. Mec, oh, ça me saoule. Pas monter dans l'angle attaque, je pense. Enfin, quoi que, en vrai, je connais encore mal ces blocs là, mais à mon avis, tu perdras beaucoup en speed si tu commences à monter dedans, parce que tu vas déraper dedans à fond. Alors que là, tu peux monter sans forcément très déraper, tu vois.
pardon. Il y a un 4 là, non? Enfin, j'ai dit un 4, attends. Qu'est-ce que... Attends, tu passes dans le checkpoint. Et ensuite, tu fais... Théo? J'imagine que c'est ça. Oh, j'ai du mal à comprendre. What? What? Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris sur la map à mon avis. J'ai pas checké s'il y avait un GPS, cela dit. Mais attends, je suis perdu. Ah d'accord, c'est ça que t'as voulu faire. Ça, je pense que ça passera hein, si t'es full speed. Tu vas être obligé de release, non? Ouah, wow, c'est tellement chelou. Celui-là, don't care, but... C'est là toi, Angry Co. Ça va bien avec vous, les boys? J'ai zéro compris. Oh, il a SD. Ouais, ça en vrai, je sais pas à quel point ça peut te faire peur. Ah, t'es en. Ah oui, tu SD drift et SD dans le verre. Je pense qu'en vrai, le no drift est mieux, surtout. Là, tu me dis, ok. Je refais un test. Lunatique. Oh, attends, il faut que je comprenne là, what the fuck. Oh putain. Ça se voit pour un gros joueur à face. A mon avis, la map passe 0. A mon avis, ça passe 0. Mais je... ouais, pareil, je pourrais pas dire. En vrai, ça dépend de la vitesse que tu perds dans tes modules. Dans tes modules avec les nouveaux blocs. Quoi. Oh, intéressant. Et en boost, aller chercher. Ouais, moi aussi, Maïmu. Il faut que j'essaie en vrai avec en passant sur le bloc. Non, en vrai, je comprends pas comment tu veux passer dedans. Putain. En vrai, comment tu montes dedans? Je m'en rends pas compte. Genre comme ça?
gagner Shada. Et je pense qu'il y a moyen de challenge. Non, je sais pas. En vrai, ça dépend de la speed que j'ai quand je passe par en bas. Si on nique la trage. Oh, mais c'est pas grave, parce que si tu niques la trage et que tu prends le boost, à mon avis, t'auras plus de speed. Ça dépend. C'est moins rapide, je pense. Faut que t'arrêtes de vouloir révolutionner l'e-sport. Sans déconner. Oh là là. J'ai réussi à te faire arrêter le no drift. Est-ce que je vais réussir à t'empêcher de mettre des blocs chelous? Ah voilà, je sais pas si je vais y arriver, je pense pas. Là, il faudrait quelqu'un de plus calé de moi en full speed pour te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parce que moi, je comprends pas encore ces blocs. Mais là, pour moi, 100% c'est pas un peu comme ça. Et voilà, je l'ai eu. Ah, je m'en doutais. Ah, je savais que si je tentais le SD ici, je passerais pas. Oui, non, mais j'ai bien compris. Bon, en vrai, là, ça va. J'avais un semblant de run potable, je pense. Genre, là, même avec les SD, il y a moyen que ce soit un bon truc. Donc là, pour pas drifter, pouah, c'est dur. Tellement loin déjà là. C'est ça qui me fait peur, parce qu'il y a tellement de speed à aller chercher en vrai tech que tu te rends pas compte. C'est trop dur, hein. No joke. Putain, j'arrive tellement loin. Oh là là. Attends, les fils. Ah putain, je passais dessus. Monter beaucoup plus tôt. En vrai, il faut prendre le bloc arrondi dans la descente et pas dans la montée, sinon ça passe pas. Oh dommage. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Le transit me fait peur. Je sais qu'elle va trop loin. Si je mets le bloc qui fait sauter, moi je me fais la... De quoi tu parles? Ah! J'ai envie de dire que t'es bête, mais il faut que je regarde. Merde. Parce que en fait. Oh, non, mais il y a plus simple. Attends, c'est où déjà? C'est là, non? Enfin, ça c'est là. Si, c'est là. En gros, la question c'est pourquoi tu mets pas la même transi, mais tu combles. Enfin, tu mets une transi qui saute moins haut et tu combles ici les trous. Ah, tu voulais qu'on passe là-dedans? D'accord. Putain. Ok, c'est swipe. Je
Je vois. Je veux pas SD, j'ai trop de speed. J'arrive trop loin, c'est trop chaud. En vrai, il faudrait faire le right trick de la mort qui tue, mais vu que le bloc est déjà en montée, en vrai, c'est chaud, quoi. Putain, en vrai, j'ai envie de passer du temps là-dessus parce que ça m'aide à apprendre les nouveaux blocs. J'espère que ça vous aide aussi, mais... Bah du coup en vrai le fait de pas avoir le boost ça fait que j'ai pas la speed pour prendre le wall ride comme je veux le prendre. Ah what? Exact. Le meilleur en plus c'est que je l'ai même pas trouvé dans SSX2 celle-là. Dans SSX pardon 2 celle-là. Je l'ai trouvé dans un jeu mobile Guitar Hero sur le téléphone de ma mère, genre un vieux Samsung. Quand le tactile était même pas encore là, tu vois. Trop speed. Ouais, trop de speed. Il y a trop de speed partout, c'est un enfer. Là. Oh, Team Uzi. Nice, let's go. On a combien de temps de record? Oh, 57 minutes dernière map, je coupe la VOD. Dommage. Pardon. Ok. Bon, c'est normal que le start soit un peu chelou, c'est Team Music, hein, je rappelle. L'homme au V37, l'homme version numéro 37 de l'ANC. On s'en rappelle. Notamment à cause d'un start. Mais pas que. Ah non, attends, fais voir. Oula, ça par contre, c'est pas. Ça va être ça à mon avis c'est puant. Je sais pas. Avouez-le, c'est un complot. Avouez-le que c'est un complot. Au bout d'un moment il faut dire les choses. C'est pas la fin. Ah, c'est une cabane. Ah, du coup, c'est un extérieur gauche, c'est un tout droit. Ok, ça passe en vrai, mais c'est vraiment moche. Ok. Ok. Ouais. En vrai, Team Music, tu sais c'est quoi ton plus gros défaut en dehors? En tout cas, d'après ce que je vois là sur cette carte, tu sais c'est quoi? Enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais le problème c'est que t'as pas assez de connaissances dans l'éditeur d'up pour faire ce que t'as envie de faire à l'heure actuelle. C'était vraiment histoire. Il n'a pas l'étrage. Bah, il n'a pas l'étrage. Mais il y a pire. Enfin, ce qui rend vraiment la map entre guillemets mauvaise, quoi.
Et enfin, je trouve pas qu'elle soit mauvaise ta carte, mais elle est trop. Mais c'est parce que tu veux trop la rythmer, et du coup tu ne lui laisses pas nous reposer, tu vois. En gros, genre là, imagine. Pelle, virage droit 90, transition, zigzag, retransition, jump, réception gauche, descente. Là, je respire. Là, trip de route, dirt, virage reverse, CP, montée, chicane. Là, je respire. Montée, jump, droite, transit, transfert, pelle, into virage, droite, redroit. Donc, du coup, faut contrôler la trajectoire, revenir, préparation reverse, reverse. Entrée souterrain, sortie souterrain, gauche instant, droite instant. Là, je respire un peu. Et là, on y retourne. Droite, droite, pont, chicane, machin. Non, mais gros, t'imagines, mais tu vas trop vite dans ton potentiellement bloc. Surtout qu'en plus, c'est des reverse, tu vois. Genre, c'est pas, tu vois. Tu vois, tu sens que t'es en struggle. tu sens que t'es en struggle, tu vois, au fur et à mesure que t'avances sur la carte. Mais genre, t'as vraiment des moments où t'enchaînes trop. Et c'est mauvais. C'est à cause de rallye en fait. Bah là, gros, je te jure. Hein. Merde. Je suis en mode 16 cut, ça, non? En vrai, on est pas loin. C'est moins dans la tête des 6 musiques. Non, mais en vrai, moi je comprends. Ouais, sur l'app de 24 heures, ça serait impossible. Mais moi, je comprends parce que c'est comme ça que je map, ok? Et c'est comme ça qu'il map à l'habitué, genre quand il est en wattstyle et tout, je reconnais ces maps, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est parce qu'elles sont très rythmées. Mais le problème, c'est que sur la road, et t'as le temps, tu vois, de te préparer. Et si t'as des reverse en road, bah tu néo. En dirt, le néo n'existe pas. Donc le problème, c'est que si tu fais deux virages très courts, collés les uns, enfin, l'un après l'autre, et ben on n'aura jamais le temps pour se préparer correctement au deuxième. Et donc, du coup, bah, on sera obligé de release de fou. Et c'est ça qui est pas facile avec le dirt, parce que pour faire une bonne map justement, il faut trouver l'équilibre entre beaucoup de rythme, beaucoup de flow, mais des endroits pour se reposer un minimum. Parce que là, je te jure, j'ai l'impression à partir d'ici, j'ai l'impression de faire qu'enchaîner le truc. Parce que là c'est reverse, parce que là encore j'ai dit je respire, mais en vrai c'est parce qu'il y a chicane, préparation 90, pelle ascendante, jump, et là t'enchaînes transfert, drop, enfin tu vois là c'est bien parce qu'en vrai t'attends de te reposer un peu dans ce genre de long trajet, mais c'est parce que t'as une gear qui saute et donc du coup c'est un peu de la merde en vrai, pour pas vous cacher. Et là tu continues, tu vois, tu fais reverse, enfin t'es tout le temps en train de faire un truc, ce qui en soi est une bonne chose pour une carte, mais il faut quand même que t'aies des moments où tu vois, tu te poses quoi, genre tu mets une montée, tu mets une descente, c'est des choses qui te permettent de te poser, tu vois. Parce que pendant la montée, entre guillemets, quand t'as l'habitude du dirt, tu fais rien. Une fois que t'as commencé à monter, tu fais rien, tu vois. Tu joues un match sur cette note, tu finis avec un burn-out. Mais en vrai, c'est très dur, hein, parce que franchement, tenir beaucoup de speed sur une map qui aussi, qui enchaîne autant, ce serait chaud. Hein. Puis après, bon, faut pas oublier que s'il y a autant de rythme et que je le ressens et que je demande à ce qu'il y ait une pause, c'est aussi parce que les virages s'enchaînent pas très très bien. Genre ça, tu vois. Ça, c'est impossible. En fait, j'essaie mon pad comme jamais. Moi, tu vois, c'est le contraire. C'est qu'on va le monter d'heure, t'aurais, je suis archi, tu vois. Là, je mets des petits à-coups comme ça, genre je suis relax et tout, tu vois, je me laisse faire. Parce qu'en vrai, il faut se laisser porter dans la montée. Il y a un moment où. Genre, tu la prends au début, tu galères, une fois que t'es dedans, tu sais que tu peux te laisser aller et mettre 2-3 à-coups et c'est bon. Enfin, du coup, on est quand même à la troisième page. Oh, cette map-là, elle a l'air trop bien. La couleur déjà me plaît trop. En plus, avec la musique et tout qui commence, oh là là! Je vais me faire striker, hein, je suis désolé. C'est du Drake, il y a très peu de chances que je me fasse pas traquer. La VOD, putain, Drippy, le boss. Remercie à Drippy YouTube, c'est pour toi que je coupe maintenant. Désolé par contre, on avait testé une carte, mais c'est pas grave, il y a la troisième partie qui arrive, on sait pas. À tout.